Je vous envoie les coordonnées de Dar Pelav. C'est là que doit se trouver l'équipe de la Moschei. C'est une ancienne ville en Gara. Vous y trouverez des plateformes d'atterrissage et une vue dégagée pour approcher en toute sécurité. J'ai une anomalie sur les capteurs, c'est gros et peut-être hostile. J'engage une manœuvre d'évitement. Attendez, je ne crois pas que... Pas chez nous qu'on aurait vu une chose pareille. On arrive. Jal, qu'est-ce que vous faites ici, en compagnie de ces gens? Kiran, voici la pionnière Ryder, qui vient de très loin. Ryder, voici Kiran Dice, scientifique en chef de Dar Pelav. C'est un honneur de vous rencontrer, en tant que représentante de l'initiative Andromède. Est-ce qu'ils sont tous aussi solennels? Je ne crois pas. Où est le reste de l'équipe? Ryder connaît bien les reliquats. On pourrait les aider dans leurs recherches. Vous n'êtes pas au courant? Pendant que l'équipe explorait le monolithe, quelque chose a très mal tourné. Ils ont été pris dans une sorte de champ de stase reliquat. Ils sont figés sur place, sans réaction. Ils sont toujours en vie? Leurs fonctions vitales sont stables et leur activité neurologique est similaire à celle d'un sommeil profond. On les a soumis à différents stimuli, à des injections de Kishari. Rien n'a marché. Laissez Ryder essayer. Elle a fait marcher la technologie reliquate dans un caveau. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Dans un océan de poissons, l'un d'eux aura des gemmes dans la bouche. Mais si l'alien peut nous aider, je mettrai mon scepticisme de côté. Le monolithe est près d'ici. Faites ce que vous pouvez, mais soyez prudente. On ne sait pas ce qui a déclenché la stase, et ça pourrait se reproduire. J'ai entendu l'avertissement disant que vous arriviez. Ça ne m'a pas préparé à vous rencontrer. Je m'appelle Ryder. Je suis avec l'initiative Andromède. Il paraît que vous voulez nous aider. Je me demande jusqu'où vous êtes prête à aller. Je suis prête à vous montrer qu'on est de bons alliés. C'est ce que vous dites, mais ça ne répond pas à ma question. Je m'appelle Rach Elvier. Je suis archéo-astronome. J'étudie nos archives culturelles de phénomènes stellaires. Je reconstitue les connaissances perdues des époques passées. Mon but est de découvrir des colonies dont on a perdu le contact, des alliés potentiels contre les Kertes. Vous pensez qu'il existe des planètes en Gara que vous ne connaissez pas? C'est ce que j'essayais de savoir quand c'est arrivé. Je n'étais pas là quand la catastrophe a frappé. J'ai cru que ma maison avait été détruite, avec toutes mes recherches. Mais je viens d'apprendre qu'une partie du bâtiment est intacte. J'essaie de récupérer les données de mes recherches, mais les animaux sauvages ne me laissent pas approcher. Ces visiteurs, je suppose qu'ils sont du genre affamé? Le bâtiment est devenu un vrai nid d'insectes et de prédateurs. Il y en a trop pour que je les affronte seule. Votre travail est trop important pour qu'on l'abandonne. On va le récupérer. Je vais vous indiquer où se trouve ma maison. Récupérez simplement les données de recherche dans l'ordinateur. Je resterai en contact avec vous par transmission.
Merci pour votre aide. Pas de transporteur. Et les navettes d'urgence en cas d'attaque Kert. Celle-là non plus. Quoi ? Est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air désespéré. Vous voulez un prix pour votre incroyable sens de l'observation ? C'est vous, l'alien qui est venue sur Aya pour poser des questions sur notre caveau. Vous savez qui je suis ? Moi comme les autres. Les nouvelles circulent vite quand une nouvelle espèce fait son apparition. On prend nos précautions depuis les Kert. Lou Johnson, historien aux archives de l'histoire d'Aya. Écoutez, vous pourriez partir si vous n'avez rien d'urgent. J'essaye d'obtenir un transporteur pour quitter cette maudite planète. Pourquoi vous êtes venu jusqu'ici ? L'équipe de Kiran a trouvé des artefacts reliquats en fouillant autour des vieilles ruines. On m'a envoyé les récupérer pour les archives. Ça n'aurait pas dû prendre plus d'une journée. Mais rien ne se passe jamais comme prévu, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas vraiment l'air d'apprécier Avarl. Les autres régions d'Avarl me conviennent très bien. Mais cette jungle sauvage, oh que non. Je ne suis vraiment pas dans mon élément. Vous pensez qu'on est en sécurité dans ces abris ? Absolument pas. Rien que cette nuit, une plante épineuse a poussé jusque dans mon lit. Je suis coincé ici parce qu'une branche a transpercé le noyau de ma navette. Vous avez parlé de ruines reliquates. Il y a beaucoup de reliquats par ici ? Oui. Vous en avez sûrement vu si vous êtes allé dans la jungle. On pense que ces ruines faisaient partie d'un vaste complexe reliquat. On a trouvé des traces de corridors traversant toute la région et son sous-sol. Il y a plusieurs générations de cela, notre peuple utilisait ces ruines comme abri. C'est comme ça que Pelav a été fondée. Les reliquats n'étaient pas hostiles ? D'après nos archives, il n'y en avait pas. Seulement des artefacts et des vestiges que nous avons pu étudier. Mais il paraît que ça donnait l'impression de s'installer dans une maison vide. Je vais arrêter de vous déranger. Bien. Attention aux plantes dans le coin. Ce sont des vicieuses. Restez pas là, visiteuse. C'est dangereux, je ne peux pas garantir votre sécurité. On ne m'a pas prévenu de votre arrivée. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'assure que les incendies restent maîtrisés. Je suis un technicien et géomètre de la station. Je dois dévier le carburant qui passe dans ces conduites. Ça finira par éteindre les flammes. Qu'est-ce qui a provoqué ces incendies ? On doit s'inquiéter ? Ce dard était beaucoup plus grand que ça. Mais la nature a repris ses droits en détruisant tout sur et sous la surface. Les racines des plantes ont percé une conduite de carburant. Et une malencontreuse étincelle a suffi à mettre le feu. Je vais y aller. Soyez prudent. De même, Isharai. Ça s'est plutôt bien passé. Elle est bizarre, cette planète. Pas d'imprudence avec la flore locale, d'accord ? Si jamais votre peau entre en contact avec la substance gluante qui les recouvre, nettoyez-la au plus vite. Thank you.
On a trouvé les chercheurs piégés dans le champ de stase. Ils sont exactement là où Kiran nous l'a indiqué. Je ne détecte pas d'autres glyphes dans les environs. D'après ce qu'on voit sur les moniteurs... Scut! Étoile de Scut! Quoi? Qui... Comment vous... Pionnier Ryder, de l'Initiative Andromède. Je viens... d'une autre galaxie. Prenez votre temps, retrouvez vos esprits. Encore des aliens qui débarquent de nulle part? Et Jal? Aucun d'entre vous ne se souvient d'être entré en stase. En stase? Je ne comprends pas. On travaillait sur le monolithe et ensuite... Ensuite, vous êtes apparu. Vous devriez rentrer à Pelav. Kiran voudra certainement vous parler. Vous avez sûrement raison. Oh, je commence à avoir la migraine. On devrait les accompagner jusqu'à la station, au cas où cette stase aurait des effets secondaires. Vous ne sentez rien de différent? Je ne crois pas. Comment ça, des aliens un peu gris avec des pics? Des kertes? Non, cela était différent. On les a vus en sondant la zone, avant la stase. Vous parlez de Turiens? Vous avez vu des Turiens? Vous pourrez en parler avec Torvar tout à l'heure. Pour l'instant, je tiens à vous remercier d'avoir sauvé mon équipe. Vous n'avez pas menti. Kiran nous a tout raconté. Elle avait même des photos. Je vous prie de m'excuser pour l'accueil désagréable que je vous ai réservé à votre arrivée. Ne vous en faites pas. Vous n'aviez aucune raison de me faire confiance. Les derniers aliens que vous avez rencontrés étaient les Kertes. Ryder, ce que vous avez fait ici, avec votre compréhension des reliquats et votre Sam, ça devrait convaincre Ephra que vous êtes un atout. On devrait lui parler le plus tôt possible. Sur le Tempête, peut-être. Kiran, j'ai réfléchi. Si Ryder sait se servir de la technologie reliquate, on pourrait pas réparer les monolithes et arrêter le déclin d'Avarl? Le déclin d'Avarl? C'est long à expliquer. On en parlera plus tard, quand vous aurez le temps. Et n'oubliez pas de parler à Torvar de ces... Comment vous les appelez? Turiens? Kiran veut discuter davantage du déclin d'Avarl. On devrait en parler quand vous aurez le temps.
Vous dites que vous avez vu des Turiens dans la jungle ? C'est comme ça qu'ils s'appellent ? On ne savait pas. On est resté hors de vue. Je crois qu'ils se sont écrasés ici. Est-ce que ce serait l'Arche Turienne ? C'était un gros vaisseau ? J'ai seulement vu des débris, pas un vaisseau entier. Je vais vous donner les coordonnées. Vous pourrez aller voir vous-même. On reprendra cette conversation plus tard. Je ne bouge pas d'ici. Vous n'êtes pas loin de ce qu'il reste de ma maison. J'ai détecté de nombreuses formes de vie dans la zone. Leurs mouvements sont agités. Je crois qu'on a dérangé un nid. Ennemi droit devant ! Attaquez maintenant ! Il y a une créature terre dans les parages. Pionnière, le noyau de données de l'ordinateur est irréparable. Rachel, ici Ryder. On est dans votre ancienne maison, mais vos données de recherche n'ont pas survécu. Vous avez fait tous ces efforts et pris tous ces risques pour rien. Je suis désolée. Le risque en valait la peine. On n'a juste pas eu de chance. Des années entières réduites à néant. Vous n'aviez pas de sauvegarde ? Bien sûr que si. Mais elles ont disparu avec le centre mémoriel du réseau de la ville. Ce site est enterré maintenant. Même si vous réussissez à trouver un point d'accès à la surface, les chances de récupérer quoi que ce soit sont très minces. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'on a une chance. Alors on y va. Je n'ai pas bien compris la traduction, mais je sais reconnaître l'optimisme quand je l'entends. Je peux vous indiquer la direction générale du centre mémoriel du réseau. Vous devrez chercher un nœud de réseau exposé. Je reste avec vous. Merci, pionnière. Pionnière, j'ai détecté des signaux d'énergie qui correspondent à un nœud de réseau actif. Est-ce qu'il est à la surface ? C'est ce qu'on va voir. Connexion au réseau établie. Je me connecte. Recherche en cours. Je les ai trouvés. Le scanner me permettrait d'analyser cela, Pionnière. Et voilà. Vous avez réussi. Dire que vous étiez prête à abandonner. Je me laisserai jamais plus dissuader par des statistiques. Maintenant qu'on a ces données, on va peut-être pouvoir récupérer tout ce qui a été perdu dans ce désastre. Je vais prévenir mes collègues. C'est un véritable exploit, pionnière. Rien fabrique ici. Ce sont des uniformes d'une Atonos Pionnière. L'Arche Turienne ? Thank you.
Un autre déclencheur hélétique, Sam ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Un tir dans les tripes. Douloureux. Merci pour le coup de main. Je m'appelle Avitus Rix. Désolé si mes méthodes vous semblent extrêmes. La vie civile est éprouvante. Ryder, pionnière humaine. Vous étiez militaire ? Spectre. Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. J'ai fait le sale boulot du Conseil pendant 15 ans. Alors vous avez l'habitude d'être au-dessus des lois ? Heureusement qu'Andromède n'a pas encore de loi, pas vrai ? L'initiative, c'était mon projet pour la retraite. Et puis le Natonos a touché le fléau, et moi, je me suis réveillé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est l'Arche ? Aucune idée. J'ai dû m'extraire de mon propre module de stase. Une chute pareille, ça aurait dû vous tuer. Ces modules sont étonnamment résistants. La majeure partie de la population turienne est encore portée disparue. Y compris Massen, notre pionnier. Sam ne s'est pas transféré à moi. C'est donc qu'il est vivant. Reste à savoir où. Il n'est pas arrivé au Nexus. Tel que je connais Massen, il doit être en train de me chercher. Massen a consacré toute sa vie à Andromède. Il est trop têtu pour mourir maintenant. On a besoin de tous les pionniers possibles. Des débris et des modules de stase du Natonos sont éparpillés dans tout le secteur. À nous deux, on devrait bien trouver quelque chose. Vous prenez à gauche et moi à droite ? Quelque chose comme ça. Voilà ma fréquence. Appelez-moi si vous trouvez quelque chose. Je n'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on resterait coincé ici pour toujours, ou jusqu'à ce que les aliens nous tuent. On a construit ce camp avec ce qu'il restait de notre module de stase. Si on part, on ne peut pas abandonner nos débris. Il y en a qu'on n'a pas réussi à atteindre. Il faut les récupérer. Tout ce qui vient de l'accident appartient à l'initiative. On l'enverra sur le Nexus avec vous. Bien. Il y a peut-être du matériel intact. Il ne faudrait pas que des aliens ennemis s'en servent contre nous. Si vous trouvez quoi que ce soit qui vient de l'Arche Natonos, marquez-le pour qu'on le récupère. Oh, et merci. Mes relevés indiquent que nous avons trouvé tous les débris de l'épave turienne sur Avarne. Bien, dis à nos équipes de récupération de les récupérer. Thank you.
Une alien capable de. Rien ne vous revient en mémoire? Je n'aurais jamais. Vous avez mentionné que cette planète était en déclin? Elle n'en a pas l'air, mais Avar les malades. Ça a commencé ici. Des mutations incontrôlées de la vie organique. Certaines espèces meurent, d'autres se transforment en poison. On commence à observer la même chose partout. L'écosystème de la planète s'effondre lentement, mais sûrement. C'est à cause des monolithes. Il n'y en a que deux, alors qu'il devrait y en avoir trois. La nature est tellement luxuriante ici. Votre caveau doit fonctionner. D'une certaine manière, c'est probable. Mais les monolithes ont pour rôle de propager les instructions du caveau sur toute la planète. S'il n'y en a que deux sur trois qui fonctionnent, les instructions sont déséquilibrées. Donc la vie est déséquilibrée. On n'a jamais essayé de demander aux sages. Il y a peut-être quelque chose dans leur tradition orale. Par les étoiles, ces ermites superstitieux n'en ont rien à faire des Angara modernes. Vous le savez aussi bien que moi. Vous avez vu les projections de survie de la planète. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Des sages? Une tradition orale? Sur Mitrava, le vieux bâtiment reliquat, là-bas. Leur famille remonte à l'époque juste après le fléau. Ils pensent que l'isolement préservera la pureté de leur histoire, en empêchant la contamination par la pensée moderne, au sens le plus basique. Ils ne comprennent probablement pas qu'Avarl est en train de mourir, ou alors ils s'en moquent. Si on demande à vos sages et que ça ne donne rien, on ne sera pas moins avancé. Quel mal est-ce qu'il y a à ça? Le chemin qui gravit Mitrava est infesté de reliquats. La plupart d'entre nous ne s'y risquent pas, mais vous pouvez toujours essayer. Suivez la rivière reliquate et faites attention. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur pendant que vous cherchez une vieille légende. On dirait que c'est la seule entrée. Ça a pas l'air de marcher. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. C'est bon. Voyons ce que ça donne.
Je n'étais jamais monté jusqu'ici. J'avais entendu parler des sages de Mitrava, mais ça ne m'avait jamais vraiment intéressé. Pourquoi ? Une histoire est faite pour être racontée, non ? Si les récits de notre passé restent secrets, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Je crois qu'il faut trouver un autre chemin. Thank you.
Regardez. Franchi notre sécurité. Comment est-ce possible? Vous êtes des aliens. Je m'appelle Ryder, et je suis pionnière de l'Initiative Andromède. Je viens de la Voie Lactée. Cela n'explique pas comment ni pourquoi vous avez réussi à ouvrir les portes reliquates. Peu importe, vous devez partir. Nous ne recevons pas d'invités ici. Avarl Périclite, si vous me donnez des informations sur le monolithe perdu, je vous aiderai à le réparer, à réinitialiser le caveau. Avec l'aide de Ryder, Avarl pourrait guérir. Notre planète d'origine serait restaurée. Ça n'en vaut pas la peine. Il est perdu. Les souvenirs de son emplacement n'ont pas été récupérés. À Mitrava, nous avons accepté la déchéance d'Avarl. Vous allez abandonner votre planète? Mais c'est le berceau de votre espèce. Vous ne voulez pas la sauver? Il y a un gouffre entre vouloir et pouvoir. Ce que vous demandez, personne ne peut vous le donner. Le souvenir du monolithe réside sur un fil qui n'est plus à notre portée. J'ai du mal à vous suivre. On croit en la réincarnation. Un fil continu. Il y a longtemps, quelqu'un connaissait le troisième monolithe. C'était Zorai, un champion des Angara, né avant le fléau. L'âme de Zorai est revenue, et nous pourrions lui demander de se remémorer le passé. Mais nous n'avons aucun contact avec elle. Vous dites que les gens gardent leur vie passée en mémoire et qu'il est possible de faire remonter ces souvenirs? Les âmes reviennent dans leur famille. Un objet, un héritage étroitement lié à cette lignée pourrait faire remonter des souvenirs. Mais ce n'est pas garanti. Nous savons que c'est arrivé en de rares occasions par le passé, avec d'autres âmes. Le seul héritage connu de la famille de Zorai est dans une zone occupée par les reliquats. Personne n'a survécu au voyage. Mais vous, peut-être. L'âme de Zorai s'est réincarnée en Taavos, qui est désormais un Rohikar. Il est revenu récemment en mission sur Avarl. Un Rohikar. Ça va être compliqué. C'est pour ça que vous êtes là, Jal. Ça ne va pas leur plaire que je vous aide. C'est peut-être une impasse, mais on doit essayer. Je vous enverrai les coordonnées nécessaires. Nous pensions qu'Avarl était une cause perdue, mais peut-être que maintenant, il reste un espoir. Avez-vous des questions? Vous avez parlé d'un héritage, un objet qui, selon vous, pourra faire remonter les souvenirs de Zorai. Les âmes reviennent dans leur famille. Parfois, les souvenirs du passé peuvent être rappelés par un objet qui compte pour cette famille. Nous ne comprenons pas pourquoi ni comment cela se produit. Et ce n'est arrivé qu'en de rares occasions. À chaque fois, l'héritage était une pièce de technologie Angara, antérieure au fléau. Dites-moi plus sur Zorai. Les récits le décrivent à la fois comme un érudit et un soldat. Il a parcouru les étoiles et rassemblé des connaissances dans des lieux lointains. Certaines histoires racontent même qu'il connaissait les créateurs des reliquats et leurs machines. Et le troisième monolithe? Nos légendes racontent que Zorai a cherché les monolithes après l'apparition du fléau. Il est mort. Et nous ignorons s'il a réussi à accomplir son objectif. Pourquoi est-ce que vous restez isolé ici? Le chaos engendré par le fléau a scindé notre peuple et a bien failli détruire notre civilisation. La peur s'est emparée de nous. De fausses croyances sur notre malheur se sont propagées et ont commencé à influencer la pensée Angara. Afin de maintenir l'intégrité de ce qu'elle savait être la vérité, 4 familles ont quitté la communauté pour s'installer ici. Nous sommes restés ici depuis ce temps. Dites-moi plus sur votre croyance en la réincarnation.
L'âme grandit au fil de plusieurs vies. En voyant à travers différents yeux, elle gagne en sagesse. Comment grandir si on ne se souvient de rien ? La croissance de l'âme est différente de celle de l'esprit. Les souvenirs ne sont pas nécessaires au développement de l'âme. Certains prétendent même que les anciens souvenirs sont une distraction inopportune. Une personne peut devenir obsédée par le passé, et dans ce cas, son âme stagne. Je m'en vais. Merci d'avoir parlé avec moi. Je vous en prie. Sam, c'est encore un déclencheur de souvenirs ? Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Plus la mort approche, plus il est difficile d'envisager la possibilité que je ne reverrai peut-être jamais Amara. Pardon de vous interrompre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Amurd est malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Amurd, cette étrangère est peut-être en mesure de t'aider. Si elle est allée à Pelaav, il est possible qu'elle ait vu quelque chose. À vrai dire, je viens de Pelaav. La petite station de recherche ? La station de recherche. C'était un grand village autrefois, un Dahar. Amara s'y est installée quand elle a quitté Mitrava. Pelaav a été envahie par la jungle, tu te souviens ? C'était il y a quelques cycles. Tout le monde est parti. Ah ! Oui, je m'en souviens maintenant. Ce qui veut dire qu'Amara est partie. Il est peut-être toujours possible de la retrouver. Tous les Dahara conservent des archives, non ? Si une évacuation a été organisée, il devrait y avoir un compte-rendu. Un compte-rendu qui indiquerait certainement où elle est partie. Pala, tu es génial. Où se trouvent ces archives ? Sûrement dans un bâtiment administratif, s'il est encore debout et que les machines fonctionnent. Les chances sont minces. Je ne veux pas abuser de votre gentillesse étrangère, mais j'aimerais avoir des nouvelles de ma sœur. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Ah, parfait. Je voulais vous parler. Comment vous faites pour utiliser la technologie des reliquats ? Avec une intelligence artificielle qui m'aide pour l'analyse et la traduction. C'est ça votre truc ? J'aurais jamais cru. Les Angara qui vivent à proximité des reliquats apprennent parfois à se servir de certaines technologies. Mais ça demande énormément de concentration. Et on comprend pas vraiment leur fonctionnement même quand on arrive à les utiliser. Donc, vous pouvez vous servir de la technologie des reliquats, mais vous ne comprenez pas son fonctionnement ? Pas toute leur technologie, non. Comme je l'ai dit, certaines machines seulement. À Mitrava, par exemple, certains d'entre nous peuvent contrôler le système de sécurité qui protège le sanctuaire. Cette aptitude a été transmise de génération en génération. Moi, ça m'a pris une année pour apprendre à ouvrir une simple porte. C'est là toute la différence entre savoir qu'on peut manger les fruits d'un arbre et comprendre pourquoi cet arbre donne des fruits. Je devrais y aller. Faites à votre guise. Esmus vous laisse vous promener sans surveillance. Vous venez d'interrompre notre cours. Je n'ai rien contre une petite interruption. Désolée, je ne voulais pas vous déranger. Et pourtant, vous êtes toujours là. Comme je l'expliquais,
Le système de propulsion qui a permis à Béchal de s'envoler s'inspirait de 4 machines des reliquats. Et ce n'est qu'un exemple. Nos avancées ont principalement été rendues possibles par la découverte d'artefacts reliquats. Où sont les artefacts dont vous parlez ? Ceux qui existent encore se trouvent dans les archives d'Aïa. La plupart d'entre eux ont cependant été perdus. Le bruit court néanmoins qu'à force de remuer le sol, la jungle finira par mettre à jour de nombreux trésors enfouis. Vous croyez que les Angara tiennent leur principale découverte scientifique des reliquats ? Il ne s'agit pas d'une simple croyance, il s'agit de faits établis. Certains artefacts avaient même été laissés inachevés, comme pour nous montrer de quelle façon les assembler. Je vais vous laisser faire votre cours. Il était temps. Les modules de données contiennent nos récits. Ils ne sont pas pour vous.